Yo la mes salut NL officiel, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Saint Milano, un artiste du Maïmoun qui est actuellement en pleine ébullition, qui se retrouve mêlé dans une histoire de sextape. Vous voulez savoir tout ce qui s'est réellement passé, je vous incite à regarder la vidéo entièrement. Donc il y a plusieurs vidéos actuellement qui sont en train de circuler sur l'artiste, des vidéos à caractère sexuel qui n'ont pas manqué de faire polémique sur les réseaux, dont l'une particulièrement où on peut voir l'artiste couché dans un lit avec deux filles. On a l'impression que c'est un clip qui est en train d'être tourné, mais voilà, il y a eu d'autres vidéos ensuite qui ont suivi ces vidéos là. Je crois que un ami tient Magui Ouattara, connaît Ouattara. Il y a plusieurs vidéos de ce type qui ont circulé, des vidéos un peu trop intimes que je ne vais pas mettre, mais je vais quand même mettre quelques captures. Voilà, dans les autres vidéos, on n'aperçoit pas bien l'artiste pour voir si c'est vraiment lui, mais voilà. Et dans la première vidéo qu'on voit bien son visage. Donc on voit un peu l'ambiance du coin, un peu comme si c'était une résidence qui était louée, pour s'amuser, un truc comme ça. La source de ces vidéos sont des influenceurs, dont un du nom de Ifra Andy, qui a fait un post pour dire que Milano a fait une CST, puis il a même posté la même vidéo que je vous ai montré là dans les commentaires de son post. Il y a d'autres internautes qui ont posté d'autres vidéos concernant la sextape. Donc pour le moment, l'artiste n'a encore rien dit. On attend de voir la véracité de l'information. Donc c'était tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo. On se dit à la prochaine.